Et salut à tous, c'est Ricola et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente Arcus Odyssey, que je vais découvrir en même temps que vous. Super introduction, quoi, je m'y attendais pas. De toute façon, j'ai pas besoin de vous faire un topo, vous l'avez découvert en même temps que moi. On va démarrer ça tout de suite. D'accord, en plus, putain, excellente musique derrière. Bon, on va pas se faire chier, on va prendre guerrier de base, quoi. Donc, acte 1, Lady's Power. Ça me fait penser à Castlevania, je sais pas pourquoi. Rien que la gueule des personnages, quoi. Ah, d'accord. Oula, absolument rien à voir. Comment je fais? Ça, c'est quoi, les pouvoirs? D'accord, donc là, je peux attaquer comme ça. J'écoute la musique en même temps, désolé. Je trouve ça très 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 sympathique, quoi. En plus, c'est très maniable, quoi. Alors, hop, c'est dommage que la vue soit un peu bizarre, quoi. Franchement, j'aurais pas vu le jeu comme ça, sincèrement. Je suis pas déçu, mais j'aurais vu le jeu autrement, à la manière d'un Castlevania, je pense. Est-ce que les ennemis débarquent aléatoirement et en permanence? Parce que si c'est ça, c'est pas mal, quoi. Ça peut être très sympathique. En tout cas, franchement, la musique se laisse approcher, quoi. Y a pas de soucis à ce niveau-là, quoi. L'introduction est terrible. Tiens, on a même droit à un rythme de batterie enjoué, quoi. Ok, y a rien. Ah, d'accord, je savais qu'il allait y avoir quelque chose. Ouais, ça me fait quelque chose. D'accord. Bon. C'est quoi ça? Ma foi. Ah d'accord. Merde. Bon, c'est pas grave, j'ai raté quelque chose. Bon, pas grave. On va avancer, on va voir ce qu'il en est. Ah, la musique a changé. On se retrouve dans une sorte de donjon. Avec des crabes. Non, c'est pas des crabes, c'est comment on appelle ça? Ah putain. Je me rappelle pas, quoi. Que parfois ils en vendent dans les salons à droite à gauche, quoi. Mais si, ah putain, je me rappelle pas du tout. C'est pas des crabes, c'est des... Bon, on s'en fout. You have taken the régénération. D'accord, c'est un pouvoir, c'est quoi? D'accord, c'est rien, ça m'a juste soigné. Aïe aïe aïe. Par contre, du coup, la musique est moins bien. Je la trouve moins terrible, quoi. C'est dommage parce que je pense que le jeu aurait peut-être gagné à avoir un autre gameplay que celui-ci. Parce que bon, vu dessus, c'est pas forcément gênant. Là voilà, par exemple, je me suis pris une attaque de l'ennemi. En plus, il a une portée de malade, quoi. Mais j'aurais aimé le voir avant. Et en plus, putain, il réapparaît. Je vais faire encore le test encore une fois. Si je fais ça, il réapparaît, non? Non, ça va. Putain, j'ai peur là sur le coup. Je peux passer derrière? Ouais, ça va. Je peux pas rentrer là, non, je peux pas faire ça. Hop, on va faire le tour. Bon, rien de bien spécial. Mais putain, les ennemis ont une portée de malade, quoi. D'accord, donc j'ai encore chopé le même objet qui m'a soigné. Ok. Là. Qu'est-ce... Ah, je peux charger mon sort pour attaquer? Ah non, c'est un bouclier. Oui, non. Ouais, c'est un bouclier. D'accord. Bon, déjà, faut pas que je passe par là. Alors, si je mets pause, je mets pause. Si je fais select, il se passe rien. Pas d'autres boutons pour courir, peut-être. Non, absolument rien. Bon, on a fait le tour déjà au niveau du gameplay. Je pense pas qu'il y ait quelque chose de si exceptionnel que ça. Par contre, ce qui m'intéresse de voir à la limite, c'est au niveau de la sélection de personnages. Si ça change, réellement quelque chose, si on a plus de portée par exemple avec, je crois, un des personnages qui avait un fouet, si je me trompe pas. Faut voir, vraiment à voir, quoi. Hop, alors là je suis de l'autre côté de la cascade, ok. D'accord. Par contre là je trouve l'environnement dégueulasse, je suis en train de me faire attaquer par Iron Man, enfin du moins un robot tout rouge. You have taken the power up gem. D'accord, donc ma vie a augmenté d'après ce que j'ai bien compris. Porte sur, je... Ok.
D'accord, donc ça signifie que j'ai terminé le premier level. Oh putain, le password quoi. Password. En plus, même pas tout attaché, hein, password. Ok. Putain. Bon, bah, acte 2. Lost Cave. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, il doit y avoir quoi? Entre 10 et 12 levels? À tout casser, si on monte pas sur la lune en haut à droite. Il doit y avoir 12 levels. Ah. Changement de musique. Qui a absolument rien à voir avec le gameplay, là, pour le coup. Très calme, quoi. Alors, je sais pas si c'est en rapport avec l'eau ou... Et la musique paraît très calme, quoi. Il n'est pas forcément trop en adéquation avec le jeu en lui-même, quoi. Enfin, je voyais quelque chose peut-être à la limite d'un peu plus épique au niveau de la musique pour le coup. Putain, alors. J'ai fait tout ça la chaîne. Hop. Bon, eh bien, ok. Bon, après, le personnage est sympathique. Mais c'est dommage parce que franchement j'aurais vraiment vu ça autrement. Mon dieu. Il faut tout que je me refrappe. Ok, terrible. Hop, adieu le poulpe. Ouais bon, après voilà, franchement pour le coup là ça devient lassant. Après à peu près 10 minutes de jeu, ça devient plutôt lassant. Mais je sais pas, c'est lassant mais ça se laisse jouer, c'est ça le pire quoi. C'est pas extraordinaire, mais voilà, si franchement à la limite j'avais que ça sur sur Mega Drive, comment je fais pour l'utiliser la potion? Je peux plus l'utiliser là si je fais pause? Non, je fais pause. Non, je peux pas l'utiliser, ma foi. Alors, en fait je l'ai chopé, il m'a demandé de l'utiliser cash quoi. Ma foi, c'est... Oula, plutôt bizarre. Magical Power Crystal, ok. Bon, depuis tout à l'heure, je chope des objets, mais je vois pas forcément trop la différence, sincèrement, quoi. On va essayer de descendre par là. Bon, ben voilà, pour le coup, Arcus Odyssey, c'est une très belle intro. Une bonne musique aussi, pour le premier acte. Mais bon, on déchante plutôt vite, pour le coup, je trouve. Même si la musique elle est intéressante là, je la trouve super calme, super jolie. Mais bon après voilà quoi, c'est pas non plus très stimulant pour un jeu qui est censé être épique quoi. Et en plus j'ai pas forcément très bien construit l'histoire. Oulala, je suis fatigué. J'ai pas non plus très bien compris l'histoire. Parce que bon apparemment cette sorcière elle est encore game over, c'est pas grave. Cette sorcière, du coup, elle se fait tuer par la prêtresse de lumière, là. Et du coup, elle forge une épée en symbole de victoire, ou elle l'enferme dedans. Mais du coup, si elle est vaincue, qu'est-ce qui se passe après? J'ai pas compris pourquoi, en fait, on part à l'aventure et elle s'est libérée, il faut retrouver l'épée. À la limite, j'aurais plus vu un seul personnage, justement, qui détient l'épée. Enfin, j'en sais rien, bref, je vois même pas pourquoi j'essaye de me refaire l'histoire. Voilà. Est-ce que je peux passer par là? Ouais, bon, d'accord. Je reviens sur ça. Alors, justement, tiens, on va refaire le test de la potion. Parce que, bon, évidemment, il y a toujours la même chose qui sort. D'accord, ok. Si je mets le menu, là. C'est ça. On dirait du Ryu, de la drogue, ma foi. Je sais pas. Hop. D'accord, je peux même pas l'utiliser, en fait. Ah, ouais, c'est peut-être parce que j'ai ma vie à fond. Ma foi, putain, ce jeu il est vraiment strange. Sincèrement, il est vraiment strange. Là, ça fait 12 minutes que je suis en train de faire la vidéo, mais je me demande à quoi ça sert en réalité, quoi. Mais bon, au moins, voilà, on a un aperçu d'un jeu qu'on connaît pas forcément. Parce que c'est vrai que, bon, sur Mega Drive, c'est toujours pareil. Quand on parle de Mega Drive, on va parler de quoi? De Castle of Illusion, on va parler de. J'en sais rien, mais. Comment ça s'appelle? Putain, je perds mes mots aujourd'hui. C'est vraiment un truc de malade, Golden Axe ou des trucs comme ça, quoi. Mais c'est vrai qu'après, voilà, ce genre de jeu, on n'a pas forcément l'habitude de les voir, quoi. Après, bon, voilà, quand on aime le rétro, on cherche pas forcément à comprendre, qu'on essaye un peu de voir tout ce qui existait auparavant, quoi. Et voilà, même si je trouve pas forcément extraordinaire,
Voilà quoi, c'est à faire, c'est à tester, c'est à essayer quoi. Histoire de dire voilà, je l'ai fait, je sais ce que c'est. Et après d'avoir un petit avis dessus, même si on n'y joue pas 3 heures. Hein, mais voilà, de se faire quand même un petit avis dessus. Alors apparemment, je peux pas rentrer là, il va falloir que j'aille chercher une clé. Ah! Et en plus, les ennemis ont réapparu. Bon, c'est parfait quoi. C'est juste parfait. Ah putain, en plus les balles me suivent. Enfin, les balles, si on peut appeler ça des balles aussi. Si je passe par là, j'ai vu un coffre. Il y a 5 minutes. Alors, je me préoccupe même pas de ma vie. Je trace. Lamp of Life. Mais du coup, je sais même pas si je l'ai utilisé ou pas là en fait. Ou si elle est juste dans mon inventaire. Ou. J'y comprends fichtre rien quoi. C'est extraordinaire. Et je crois que je suis encore mort. Voilà. Bon, on va pas durer plus longtemps parce que c'est en train de me gonfler légèrement et j'ai autre chose à faire. À foutre, on va le dire clairement. Tiens, avant de se quitter, on va essayer un autre personnage. Pour voir si ça change justement réellement quelque chose. On est en mode 2 player qui doit être quand même plus intéressant. L'archère elf, elle doit être sympa. Enfin, je supposais que ce soit une elf. Je sais pas pourquoi. Ouais, allez, on va essayer les attaques à distance. Voir un peu ce que ça donne. Oula! Ah, c'est bon, je fais carnage là. Ah, mais ça, c'est pas le truc à me donner ça. Ah, par contre, j'ai l'impression qu'on fait moins de dégâts, non? Mais là, du coup, c'est super fastoche quoi. C'est vraiment très très facile là pour nous. Il y a juste à se mettre en face de la cible et on attaque. Après, c'est vrai que pour les déplacements, c'est pas non plus tip top quoi. Ah ouais, alors là, dans des couloirs comme ça, on fait carnage quoi. Surtout qu'en plus, les flèches rebondent quoi. C'est pas terrible. Enfin, si, justement, c'est extraordinaire quoi. On est légèrement cheaté. Alors, ce que je vais faire. Ouais, mais j'ai combien de continues? 3, non, 9. Je vais essayer de me faire tuer. Exprès pour pouvoir jouer avec un dernier personnage. Histoire de voir ce que ça change réellement, encore une fois de plus. Bon, là, déjà, franchement, au niveau du gameplay, voilà. Ça change quand même. Ça change quand même pas mal. Alors, j'aime bien parce que j'ai dit que je vais me faire tuer, mais au final, je fais tout pour que ça soit pas le cas. Donc voilà, game over, au moins ça s'est fait. Hop, end. Alors, apparemment, il n'y a pas de crédit. Apparemment, c'est continue illimité. Bon, après, je dis ça, mais il y avait des jeux aussi à l'époque où il y a marqué juste continue. Et au final, c'est juste 3 et on est obligé de tout recommencer. Alors, lui aussi, il m'intrigue. Ah, d'accord. Encore mieux. D'accord. Ok. Donc, boule de feu. D'accord. Ok. Bon, on va pas aller plus loin. On va pas s'emmerder la vie. Par contre, j'ai l'impression qu'il a un peu moins de vie, lui, que les autres. Bon, après, c'est normal. Là, c'est un mage, entre-temps. C'est... Mais après, d'un autre côté, il doit avoir une bonne puissance. On va faire end. Hop. Et on va recommencer une dernière fois, au moins le premier level. Avec le dernier personnage qui a une chaîne ou un fouet. Ouais, on dirait plus un fouet en fait. Non, une chaîne. Une chaîne. Oh, la chaîne nébulaire! Ça me fait penser à ça quoi. Alors, hop. C'est pas mal. Le coup de la chaîne est pas mal. Et putain, en plus, bizarrement, c'est le personnage que je voulais utiliser, que je voulais sélectionner à la base. Je pense que j'aurais dû rester sur vraiment mon premier choix et la prendre elle à la place de prendre le guerrier. Ouais. Du coup, elle et l'archer, le mage, vraiment pas mal. Pas mal du tout. Parce que du coup, le guerrier, c'est un peu chiant parce que du coup, il faut qu'on aille au corps à corps. Et c'est pas forcément terrible quoi. Surtout que bon, des ennemis, il y en a pas mal. Toi, je peux pas te tuer. D'accord. S'il te plaît, aide mes amis. Nanana, nanana, nanana. D'accord. Ok, donc en clair, faut que je m'en occupe. Comme d'hab. Sinon, ça serait pas un jeu vidéo. Si on avait rien à faire. Voilà. Écoutez, c'était Arcus Odyssey quoi. Et donc sur Sega Genesis Mega Drive quoi. Voilà, jeu plutôt sympathique, voilà, bon, faut dire ce qui est, hein. Franchement, c'est pas non plus l'extase, quoi, on s'amuse pas tellement,
Mais voilà, ça se laisse jouer tranquillement, c'est pas prise de tête non plus. Voilà, et puis bon, après c'est un jeu Mega Drive de l'époque, Sega Genesis, donc bon, faut pas non plus demander la lune quoi. Le principal, c'est de jouer, c'est pas non plus un scénario grandiose et tout le reste. Voilà, le principal dans le rétro, c'est s'amuser avant tout. Et puis bon, là voilà, même si tout le reste est pas forcément extraordinaire, bah voilà, je m'amuse, j'y joue. Voilà, ça reste, on va dire, correct. Donc voilà pour ça, bah écoutez, ça fait déjà 3 fois que j'ai le nom du jeu, donc je vais éviter de le redire encore une fois de plus. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ricola, salut à tous, ciao ciao, et à la prochaine.